Et nous voici pour le 40e épisode de Pokémon version éclat pourpre. Après avoir vaincu le boss final Mist dans le sang et les larmes puisqu'on a... Si on était en Nuzlocke perdu Istaranga, nous allons capturer Mewtwo. Non, pas lui. Bon, je vous le dis à l'avance, l'épisode sera très court. Pourquoi? Parce que Mewtwo, c'est le dernier Pokémon qui me reste, donc... Et toute mon équipe, comme vous pouvez le constater, donc Easyloke, LOTC, Staranga, Morantar, Elinouane et Maniar qui sont respectivement Dratak, Florizarre, Metalos, Tyranocif, Lagron et Brazegali. Ils sont tous niveau 100, donc ils ont plus besoin de pexer. Donc ça sert à rien. Pas pourquoi je tourne autour. Attends, non, c'est pas ici que je tourne. Bon, de toute façon, les agents cailloux ont dégagé. Donc voilà, je n'ai plus rien à tirer des Pokémon sauvages. Donc la tour de combat, c'est ici, et Mewtwo, c'est ici. Ne perdons pas une seconde. Alors, est-ce qu'il y a toujours le bug? Eh oui, il y a toujours le bug, il n'a jamais été corrigé. Donc si vous allez ici, c'est très important, il faut que vous ayez absolument la technique vol. Sinon vous pouvez vraiment vous faire coincer. Voilà, vous arrivez dans l'île inconnue qui me semble est hors carte. Là, il est où la carte? Voilà, on est hors carte, voilà, on sait pas où c'est. Donc si vous n'avez pas la technique vol, il y a que deux solutions. Il y a qu'une seule solution pour sortir de ce coin, un game over. Il faut se suicider. Alors, il faut aller où? Alors, je vais mettre un repousse, par contre, parce que, bon, inutile de voir quels sont les Pokémon sauvages qu'on peut rencontrer ici. Ils sont où, les repousses? On va essayer de tracer. Parce qu'il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas d'objet. Ah oui, aussi, un truc important, il faut toutes les CS pour passer cet endroit-là. Bon, sauf la technique flash. Et plonger, je sais même pas s'il le faut. Mais grâce aux objets qui remplacent les CS, voilà, ça vous épargne de ramener un voire deux CS live. Alors là, on a une petite énigme. Il faut le mettre en haut. Alors ensuite... je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Voilà, il faut réinitialiser le puzzle en s'éloignant, sinon on peut pas passer. Voilà, c'est la fin. Donc là, il y a une petite grotte. Elle est toute petite. Allez, juste pour la symbolique, je vais mettre Manière en premier. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup voir en derniers épisodes. Mewtwo. Que fais-tu là, humain? Je me suis réitéré ici avec les Pokémon clonés après avoir compris l'insignifiance de nos existences. Nous sommes nés dans un laboratoire pour concrétiser les desseins lugubres d'un individu mauvais. Nous ne serons jamais existants en même titre que les autres créatures vivantes. Et toi, tu es venu perturber le lieu de notre exil? Je ne peux pas te laisser partir d'ici. Regrette jamais d'avoir pénétré à cet endroit. Bon, je veux pas ben de musique spéciale Pokémon légendaire ou autre. C'est le dernier Pokémon qui me manque à mon Pokédex. Donc vous aurez deviné ce que je vais faire. La Master Ball. Ah ouais, ça sert à ça, c'est un joker. On a droit à un Pokémon entre guillemets gratuit dans tout le jeu. Autant le réserver pour l'ultime Pokémon. Au lieu de passer comme avec Jirachi Deoxys à s'arracher les cheveux
pour essayer que ça rentre dans la bolle. Mewtwo, génétique. Le caractère malfaisant de ce Pokémon est le résultat de nombreuses expériences qui visaient à modifier son code génétique. Non merci. Et il va dans la boîte légende. Bon bien sûr, il doit me détester après ce qui s'est passé. Et ça y est, le Pokédex est parfait. Enfin. Alors je sais pas si mon cadre dresseur est monté. Non, il faut aller chercher le diplôme. Allez, on va chercher le diplôme. Pokémon, easy locké, vol. Crossville. Oui, on s'en fout de l'effet de repousse. Et on va contacter le profil là-haut. Qui va évaluer notre Pokédex. Enfin, tu as rempli le Pokédex. Je suis vraiment impressionné. Mais je pense que le plus impressionné, vous l'aurez deviné, ça va être le professeur Chen. Et il aura fallu 180 heures de jeu pour l'avoir parfait. Hein. Je sais plus si c'est ici. Non, c'est pas ici. Je sais que c'est en nord-ouest de la ville. Résidence du professeur Chen. Allez, le diplôme de maître Pokémon. Prof Chen. Bonjour, je suis prof Chen. J'ai longtemps étudié les Pokémon. Aujourd'hui, j'ai pris ma retraite. Allez, inutile de lire tout ça. Félicitations, tu as complété ton Pokédex. Les données que tu as récoltées vont permettre aux chercheurs Pokémon d'approfondir leurs recherches. En gage de reconnaissance, permets-moi de te mettre à jour ta carte dresseur. Tu seras désormais considéré comme un dresseur de rang supérieur. Encore bravo pour cela. Faut que ta dresseur est montée d'un niveau. Applaudissez. On applaudit! Joueur Anarion, Pokédex National, ce document certifie que vous avez complété votre Pokédex Game Freak. Le seul moyen d'avoir un jeu Pokémon fini à 100%. Si tu recherches de nouveaux challenges, tu devrais te rendre à la tour de combat. Le dresseur que je supervise, Maï, y est aussi actuellement. Et oui, ça sera le dernier épisode des Pokémon version éclat pourpre. Donc on va s'y rendre sans tarder. On met leur vol. On est obligé de passer par là. Allez, téléportation. Super, pas de Pokémon sauvage. Ça y est, donc vous avez vu que j'ai le diplôme Pokémon. Il n'y a que 1% des joueurs qui complètent leur Pokédex hein, dans les jeux Pokémon. Bonjour, je peux vous conduire la ville que j'ai jamais vue donc. Tour de combat. Avec une musique. Très épique. Ah non, même pas. Eh oui, nous voici à la tour de combat, la dernière chose à faire dans ce jeu. Tour de combat. Allez, on va se regarder là, parce que c'est pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé ce très rapide... Non, attends. Est-ce qu'il y a un PC ? Oui, il y a un PC. Je vais quand même vous montrer tous les Pokémon légendaires que j'ai capturés. Hein. Voilà, tous les légendaires des trois premières générations. Dont le Mewtwo. Il est docile. Et alors, il avait quoi? Ça fait quoi ça? Boost, Psycho, Rune Protect et Soin. Ouais, il aurait été un petit peu casse-couille à capturer. Bon, mais il a pas de Damoclès comme... comme Jirachi ou d'autres Pokémon. Allez, cette fois-ci, c'est la fin de l'épisode. Et l'avant-dernier d'éclat pourpre. Merci d'avoir regardé. Et à la en prochain et dernier épisode pour le grand challenge. Avant, je vous l'annonce si vous l'avez pas entendu tout à l'heure, enfin dans les précédents épisodes. Une aventure épique sur le fan-made Pokémon Uranium qui promet d'avoir du sang. Des larmes, parce que ça sera un Nuzlocke Challenge. Allez, au prochain épisode !